Mauvaise journée pour Neymar. Mercredi 29 mars 2023, le joueur a perdu 1 million d'euros au casino en ligne et son étonnante réaction, alors qu'il était en live sur Twitch, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Si est-ce ce que c'est sûrement dit Neymar mercredi 29 mars 2023. Le joueur du Paris Saint-Germain était en direct sur Twitch et a décidé de partager sa partie de casino en ligne avec les millions de fans qui le suivent. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le sportif qui a perdu 1 million d'euros à la roulette. Avec une telle mise de départ, Neymar a enchaîné les tirages avant de finalement tout perdre. Mais alors que certains seraient totalement décontenancés face à un tel échec, ce n'était pas le cas du Brésilien. En effet, il a éclaté de rire devant son écran, faisant ensuite semblant de fondre en larmes avec une fausse musique de Titanic. Une réaction qui a évidemment beaucoup fait réagir. En commentaire, les internautes ont été nombreux à se moquer du grand fan de poker désormais allégé d'un million d'euros. Piètre personnage et deux camps se sont rapidement dessinés. D'aucuns ont été amusés par sa réaction et n'ont pas hésité à ironiser sur le sujet, j'ai ri, le pauvre il vient de perdre une semaine de salaire, la photo me tue MDRRRR, la photo est trop drôle, il rigole juste après ce fou MDRRR non c'est trop on n'a pas la même notion d'argent, il est aussi fort en foot qu'en casino. D'autres ont au contraire regretté que Neymar s'amuse de perdre autant d'argent dans une période aussi compliquée, 1 million, il pourrait nourrir 250 000 bouches pour un soir qui crève la dalle en France ou même au Brésil, mais ça le fait marrer. Piètre personnage, ça montre le manque de maturité, il vient d'un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et vit dans un pays où les gens se battent pour avoir une retraite minable à 64 ans. Il chie sur TT Le Monde, lui-ci est-il vraiment le clown ultime peut-on lire en commentaire. Preuve s'il en fallait que simulation et Neymar vont toujours de pair.